Yo tout le monde, c'est Unipolation.view en mode devient DG pour l'épisode 2. Et donc aujourd'hui on fait la pré-saison. Et entre temps, entre les épisodes, le premier et le deuxième épisode, Patrick a été nommé capitaine, donc je l'ai mis capitaine. J'ai créé un autre devient DG parce qu'il y a eu un update, puis ils ont mis Austin Matthews, je me trompe pas, le meilleur prospect dans le fond de cette année. Parce qu'il était pas là avant. Donc c'est ça. Puis en même temps, si je peux aller voir, vous montrer ça. Si je me trompe pas, Delarose est monté d'un overall en même temps. Donc ça c'est bon. Et oui, ça serait dans évolution, non? Non, j'ai aucune idée c'est où. Gérer budget. Je peux-tu... Non, je peux pas mettre un joueur comme... Qu'un gars je veux échanger. Que je veux échanger, mais que je veux pas marcher de joueur, non? Modifier transfert, je pense que c'est là. Sherbach, on le veut. Premier tour 2016. On va le garder 2017, on va l'enlever. On va le laisser là plutôt. Les joueurs que je serais intéressé à donner pour vrai, ça serait Jared Tinordi. Non, pas Tinordi parce qu'il pourrait remplacer Yemelin, mais qu'il parte si on échange Yemelin. Fait que ça serait Alexis Yemelin. Tim Boson pour vrai. Puis au début, dans le premier épisode, j'ai dit que c'est un Suisse, mais je me suis trompé, c'est un Français. Et Alexis Yemelin. Surplus, je dirais. Ok. Je vais te voir les joueurs qui sont là-dedans. Bon, on s'en fout. Je comprends rien. Fait que. Je vais pas me péter la tête. Donc, on va simuler. Puis, supposément, ils ont remis les simulations. Donc, c'est pas si peu. Calendrier. Sera là. Et quelqu'un m'invite dans un groupe. What the fuck? Je suis en mode hors ligne en plus, c'est bizarre. Le plafond salarial de la saison pour venir sera le suivant, 71 000. Ok. Donc, simulation du match. Ok. Choix vitesse. C'est où ça marque? Ok, x2, x6. x8, c'est combien? Ça va à combien de temps? Non, je peux pas mettre x4, c'est quoi? Ah, je fais pour simuler période. Je vais juste aller dans les buts. Oh my god, je comprends rien. On est en quelle période là? Plekanec puis Gal Chenyok qui ont scoré. Je vais faire simuler période. Bon, 2-1. Mika Zibanejad qui a marqué sur Carey Price. Plekanec, Gal Chenyok, ça c'est bon. Gal Chenyok, ça c'est bon. Reprendre simulation. Ok, ça va une minute par minute, je pense. Powerplay pour eux. Et Price, on est bien servi. 19 à 15. Il y a un autre powerplay pour eux. Price est en feu. Ah, bon. Là, ça devient égal côté de tir. Là, c'est plate. Pareil comme ça. Je suppose que c'est l'action qu'il y avait. Encore Plekanec puis Gugal Chayok. Les centres, ils marchent. Ils marchent, les centres, ils marchent. Non, ok, c'est la troisième période, ça. Oh. Tu vois les 3 étoiles. Carey Price, 34 arrêts sur 33 shots, dans le fond. Galchenyuk puis Plekanec, 2 buts chaque. Qui équipe à domicile? On est à domicile. Et on va voir qui a mal joué. Y a-t-il du monde dans le moins? Non, tout le monde a bien joué, surtout les premier, deuxième trio, là. Ok, Galchenyuk, pourcentage 100% dans les tirs. Ça, c'est bon. Donc, première game, gagné. Là, pour vrai... C'est Melin, je sais que je peux aller changer. Oh, multi mission de repérage, ça, c'est bon. On va le checker. Aucune idée où Austin Matthews. Je pense qu'il est... Je sais qu'il est parti jouer en Europe. Mais je peux pas voir les joueurs qui sont disponibles. Il semble tantôt, j'ai vu que je pouvais... Que j'ai fait. Non, ok. Oh my god, je comprends rien. Yeah. Ouais, c'est une crise de chaise qui fait du bruit. Bon, ça serait. Je sais où j'ai vu, c'était dans. Superfusé, ok. Repérage.
Austin Matthews, aucune idée. Je sais que c'est un Américain. Aucune idée, je vais en caler. Ça, Austin Matthews, son nom. Je vais aller checker en même temps. C'est Austin Matthews. Il joue en Suisse, donc si je ne me trompe pas, la Suisse, ça doit être ici. Dans le fond, toutes les Suisses qui regardent la vidéo vont capoter. Oh my god! Ça, on crée, la Suisse ressemble à quoi? Je sais que c'est à côté de la France. Hein? Suisse, map. Europe. Checkez-moi le perdu qui est pourri en... Ok, ça ressemble à pas grand chose la Suisse. En forme du pays, là, je parle. C'est ça, je crois, la Suisse. Attendez. Ça ressemble à peu près. Ou ça serait. Ça ressemble... Ouais, c'est plus ça la Suisse, ouais. Alors, on va aller attaquer. On va faire 3 semaines. Non, on va mettre le max. C'est combien 6 semaines d'habitude? Ouais, 6 semaines. Donc, 6 semaines, aller voir en Suisse. Oh, il est là, Matthews. Austin Matthews. Bon. Propose échange. En vrai, là. Ça me tracasse, là, Yemen. Avoir Yemen dans mon équipe, là, ça me tracasse. Mais il n'y a pas de valeur. C'est tellement un gros contrat que personne veut ça. Oh, attends. Oh, là, on voit les joueurs transférables. J'ai toujours cliqué ces joueurs. Premier tour. Il vaut clairement pas premier tour. Fuck Agenda. Chicago a des joueurs intéressants pour vrai. Sinon, Ville Poca que j'ai joué. J'ai été étonné dans le voir, c'est un droitier. C'est un droitier, mais j'ai toujours pensé que c'est un gaucher. Oh, Jérémy Morin, c'est parce que ça serait un peu le style. C'est un peu le style à. Terevinen, Guillaume? Terevinen. Il est plus bas que Dano, what the fuck? Dano ou Terevinen? Terevinen, je ferais jouer sur le. Deuxième trio en place de Cassian. Puis ça serait le deuxième trio, c'est Plick. Il faudrait non un centre. Ben, faut, si j'échange un défense, on va checker la défense. Peut-être pas Chicago, ils n'ont pas grand chose à donner. Non. C'est vous qui allez me dire contre qui l'échanger. On va aller simuler le. Oh, attendez, j'ai vu une affaire ici. Réunir l'équipe. Ouais. Réunir l'équipe. Comme chacun sait, il existe une vraie rivalité, mais il faut que tout le monde ne sorte. Mettez ça. Jouer avec les chamans, mettez ici la passion et jouez comme vous savez le faire. Et ne vous laissez pas rattraper par l'enjeu. Je crois que toute la ligue de. La ligue sera dans l'intérêt. Et ça. What? Fais chier, c'est-tu? Pourquoi aller, vont me faire rencontrer le joueur, lui? Comment je fais? Aucune idée, fuck off! Oh, petit paquet de drum. On va faire, ça, simuler. Première période. 1-0 pour eux, et c'est... Tyler Johnson qui a marqué. Deuxième période, 3-1, Nathan Beaulieu sa deuxième période de défense, Max Pacioretty et Jacob Delarose, parfait. Et dernière période, oh what the fuck, 7-1, Smith Pellier, un doublé, quasiment même place, Brendan Gallagher et Alexander Semin, parfait. On va aller là, oh non, qu'est-ce que j'ai fait, c'est mieux jusqu'à cette date, faut vraiment que je m'habitue au domaine des G à la façon que ça s'affiche. Simuler. On va aller dans le but de suite. Première période. 1-0 pour eux. Nick Bjugstad qui marque. Qui déjoue notre Carey Price. Deuxième période. 3-2. PK Subban. Hey, Thomas Plekanec et eux. Dave Bowen. Ah, puis Eric Gabranson. Désolé, je l'ai pas vu. Troisième. On va faire reprendre simulation. Mettre en x8. Oh, Max Pacioretty qui a marqué. Parfait.
on les domine un peu côté tir, on se rapproche des 30. Mais là, eux, ils commencent à me tirer dessus et lui aussi, Yukinen en powerplay. Mais là, De La Rose qui égalise suite après. Parfait, parfait, De La Rose. Et Willie Mitchell qui redonne avant, et devant. S'il vous plaît, une minute, come on, levez-vous. Maturity to you. Calice, on a perdu. Perdu contre les Panthers, come on. Ah, oh, on va faire un calendrier. Là, je vais simuler les rêves parce que c'est pas mal long. Il reste combien de games, on est où? Dernière game, c'est contre Boston. Ouais. On va simuler jusqu'à Boston. Contre Buffalo, faut gagner, là. On est 2-0. Nous, on a le full club parce que c'est un pack à trop à refaire en ligne. Victoire 5-3 contre Boston, ils sont finis. Aller chercher un choix de Boston serait pas si pire, hein? On va faire une réunion d'équipe encore. Ouais. Il existe pour que tout le monde ne c'est ça. La même chose que tantôt. What the fuck, Bryce? C'est bien un suicide graine. Et bon remontant. Remontant, améliorer la morale au moins 10 joueurs. C'est le fun, c'est le fun. Et là, on va aller changer Price. Et non, calmez-vous, calmez-vous. Je veux faire un échange pour vrai. Boston. Allez voir leur équipe Boston à quoi ça ressemble. DeBrusque. David Pasternak, Carlos Burrell. Ok, ça c'est les trois gens qui sont allés chercher. Ouais ben au repêchage à propos Pasternak, là je pas. Je parle de Carlos Burrell puis DeBrusque. DeBrusque. Pas tant une équipe si sexy que ça, hein? Ça paraît qu'il y a une couple qui sont partis. Bah non, ils ont quand même une bonne équipe, je comprends pas pourquoi ils sont si bas que ça, mais ça doit être Chara. Ouais, Chara, y a pas de valeur. On va aller voir Jack Eichel, à quoi il ressemble. Je pense qu'on l'a checké dans le dernier épisode, mais je suis intéressé. Il est pas là. Pourquoi ça ne nous pas de récréer un autre DVNDG? Donc, désolé pour Buffalo, ils n'auront pas de Jack Eichel dans la simulation. Et Oren Fleury, Elias Lindholm, il m'intéresse pour vrai. C'est Calis. Quel joueur? Tim Boson est-il une bonne valeur? Tim Boson, ouais, il y a une popée valeur. Est-ce qu'il y a une valeur d'un joueur quand même intéressant? Un Blue Shen, des choses comme ça, il y a une petite valeur. Stellou, non. Non. J'aurais plus cherché un joueur de 4ème trio pour l'instant. Même si on a une couple, là. Oh, Sean Monahan. Yo, Gaudreau. Gaudreau n'a pas très grosse valeur, hein, pour vrai. Ouh, ça me tente d'aller chercher Gaudreau. Ça me tente d'aller chercher. Bah, peut-être pas comme. Ben, on peut mettre Tim Boson, puis mettre un autre tout nu. C'est De La Rose contre Gaudreau. De La Rose, il y a 20 ans. Puis, c'est quoi son potentiel? C'est élevé, attaque top 6. Puis lui, c'est quoi? Attaque top 6, bas. Ah. Est-ce que je prends une chance? Est-ce que je prends une chance? Est-ce que je prends une chance avec De La Rose? Parce que De La Rose, c'est notre seul joueur pas mal défensif qu'on arrête, puis ça serait Plekanec de bon. Plekanec contre Gaudreau, mais là on perdrait un centre, fait qu'il faudrait aller chercher un centre. Mais De La Rose, c'est un centre. De La Rose, c'est un centre, je me trompe pas. Dans le jeu, il ne considère pas comme un centre, mais c'est un centre. Mise au jeu, 60. Donc, il est tout mis en mise au jeu, puis Sherbeck, lui, c'est un centre. Mise au jeu 78. Ouais, Sherbeck, c'est un centre. Pourrait le remplacer. Sinon, Charles Ludon. Il est courant mise au jeu, mais il est cute. C'est qui? Non. On va aller voir. On va aller voir ailleurs. Calice, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Bon. Chicago. Pas vraiment, hein. Non. Non. Colorado, là. Qu'est-ce que ça donne, Colorado? My God.
beaucoup de valeur. Je savais pas que Zadorov avait tant de grosses valeurs. Ils ont changé contre qui? Contre Ryan O'Reilly. Imaginez la valeur qu'ils sont allés chercher, hein, ces deux joueurs-là. Contre juste Ryan O'Reilly. Ouais, tout nu. Ici, à quoi que ce soit, ben là, c'est un peu trop gros. Ben, Tyler Seguin comme premier nom. On va aller chercher un joueur de premier trio pour jouer avec Galchenyuk. Mais Ben, il presse plus un scoreur qu'un passeur, hein. Parce que je voudrais plus alimenter Paturity. Gustav Nyquist. Nyquist, ouais. Nyquist, c'est mon choix de prédilection. Il y a déjà 26. What the fuck, il fait genre juste 2 ans qu'il joue dans la ligue. Non, peut-être pas, faire un bout de chou. Ben, il a commencé à devenir régulier juste en 2013. Quoi, juste. Maintenant, écoute, ça, peut-être pour plus tard, va être intéressant. Carlis, pourquoi ça me renvoie toujours sur mon liste d'affaires? Franchise, vous voyez, je pense franchise, ça veut dire que c'est vraiment George Ward qui va devenir fort. Sinon, Nuge Adam Kidd, c'est pas une petite valeur. Nuge. Ouh, Nuge, pour vrai, là, Nuge, contre... Il paye combien? 6... Oh, fuck off, 6 millions. On va aller voir ailleurs, hein. Je sais qu'il y a Edmonton, mais eux, ils ont beaucoup trop de centre. Alors, au point même qu'ils font jouer Huberdeau à l'aile. Mais Nick Bjugstad, sur le deuxième trio, moins. Non. C'est pas tant sexy que ça. Il y a Trotsch Grimaldi. Ils ont mis une photo avec Grimaldi aussi, c'est un petit gros. Je l'ai vu l'autre fois, c'est un petit gros. Je sais pas, c'est un petit gros. Il Trotschek, il est juste pas beau. C'est une araignée sur mon mur. Calice. Non, je l'ai perdu. Oh non, c'est vraiment mon arrière de mon esprit. Ici, Voinov. Kozu qui veulent des boss à faire, on sait pas. On sait pas avec lui, hein. Tyler Toffoli, tireur des luttes, je me trompe pas. Franc-tireur, ouais. Français. Franc-tireur. 23 buts l'année dernière. Non. Minnesota. Qu'est-ce qu'il se donne à Minnesota? Gratlund. Gratlund, je veux pas prendre de chance. Parce que je veux pas. Je vais aller chercher quand même un centre. Si j'échange contre Plekanec, je garde Boson parce qu'on ne peut pas mettre Plekanec là. Mais faudrait que j'aille chercher un joueur qui peut. Qui est un peu vétéran, mais qui peut monter. Genre 26 ans comme Nyquist, mais centre. Parce qu'il faut un centre. Puis un peu. Pas vraiment défensif parce que De La Rose va être défensif plus tard. Même si la coupe c'est dans les premières années, là, dans les 2-3 premières années du DG, c'est là qu'il faut aller chercher une coupe. Est-ce qu'on a une équipe pour ça? Derek Stepan. Oh, et quel âge? J'ai genre 23 ans. Stepan, 25 ans. Ses stats, ça ressemble à quoi? Défense 4,5. Et au jeu, juste 72. Puis il y a combien Plekanec? On va mettre Plekanec là. Combien de niveaux? 5 millions sur le canet. Comment je fais pour? C'est bien compliqué, c'est pour rien. Rinfin, tranquille là. Mise au jeu 81. Il y a juste 81 mise au jeu. Oh my god. On n'est pas vraiment bon au centre, hein. C'est donc qui? Chris Kreider, le préféré de tout le monde ici. Non, Jefferson, il est bien bon des mises au jeu, mais il faut faire un peu une ligne de code quand dans chaque période. Calderwood, c'est bien une grosse valeur. Wow. Chabot, Prince, Mark Stone, 85, il est quoi, 23 ans, lui, genre, 23. Il a une mise au jeu, non, plus de mise au jeu. Mika Ibanezad, le joueur de soccer, 79 de mise au jeu. Pour vrai, Ibanezad serait intéressant, mais vous l'aimez pas bien, hein. Sinon, qui? Thomas Kobekny, Ivan Provorov. Pourquoi je dis Provorov tout le temps? Brendan Shane. Ron Exxon, en plus, intéressé à l'échanger. 60, combien de points l'année passée? 47 sa meilleure saison. Brendan Shane en donne des bien intéressants. En plus, il est un peu cute, là. Un beau petit sourire. Sprung, non. Patrick Hornquist. Nick Bonino. Oh, Nick Bonino, pour vrai.
Il est toujours des bonnes saisons, mais ça me semble, des 2-3. 49 points. Ouais, c'est sûr que si tu joues avec Perry puis Getzlaf, ça va être. On va aller voir ailleurs, voir peut-être. Peut-être un Drew Turgeon à la fin de sa carrière qui n'a pas une grosse valeur. Qui pourrait nous laisser un peu de place sur la marche salariale, mais qui prenne sa retraite. Est-ce combien d'années? Deux. Oh, ben trop cher. 91 de mise au jeu, c'est, par contre. Hertel est rendu. What the fuck? Ben grosse valeur, lui. Ah, Joe Thornton. Ah, Joe Thornton. Ça serait intéressant, Joe Thornton, mais. Brendan Shane, pour vrai, je pense que c'est. Non, Joe, je pense que Joe Thornton, je vais aller le pogner. On va aller faire le tour des dernières équipes. Là. Joe Thornton. Puis, je fais en sorte qu'il retienne un peu de salaire. Parce qu'après, avec Hudon qui va monter, on va être correct. Puis, Sherpak. Fait que. Parce que le canin qui sont contrats communicants, je peux-tu voir. Si on n'a aucune calice d'informations, il faut toujours qu'on aille là-dedans. Les menus sont tellement lents. Il reste combien d'années à son contrat? Un année, c'est ça. Donc, on le fait cette année parce que je ne signerai pas. Nazan Kadri. Si, maintenant. Non. Enrique Céline. Enrique Elisia. Je pense que oh my god, je fais pitié en ce moment. Je fais tellement pitié à aller voir, à avoir là. Vous devez tellement vous ennuyer. Ça fait genre 10 minutes que je suis là-dedans. Je cherche un joueur qui a de l'allure. J'en trouve aucun. Peut-être à Washington, il y aurait quoi d'intéressant. Je sais, il y a TJ Oshie qui s'est rajouté aussi. Oh, Evgeny Kuznetsov. Trop grosse valeur. Non, mais les grosses valeurs, je réussis. Johansson, il est rendu ailier. Oh my god. Anaheim. Qu'est-ce qui se donne à Anaheim? Kessler, leur deuxième centre. Pas leur troisième centre. Rackle, ok, ils ont quand même un bon. Une place de centre, là, un bon trio de centre. Martin Enzel, trop grosse valeur. Anthony Duclair, moins. Antoine Vermette. Antoine Vermette, reste combien d'années? Combien d'années sont contre Antoine Vermette? Entre vous plus moins, là. On aime bien mieux Vermette que Canek. Canek, ça donne quoi? Si il y a une saison de plus de 50 points l'année dernière, on le garde. 60 points, ok. Ok, là, l'Xbox est buggé. Regardez comment je monte vite puis je descends vite. C'est Xbox en mode. Plutôt NHL, ou aussi Xbox. On va juste finir après saison, là, parce que c'est un paquet de troubles. 20 minutes pour ça. Simuler. Simuler période, première période 1-1 et Pacioretty qui marque encore, puis AIS, je trouve comme ça. Deuxième période 3-2, Delouise, David Krejci avant, Delouise et Alexander Sedin. Parfait. Et on va voir qu'est-ce qui se donne. Si on peut garder le devant, là, il n'y a pas grand-chose qui sont passés, pas eu bien mettre ça, c'est pas bien mettre ça. Bon, on monte deep play. Price va avoir comme un Spooner qui marque assez. Mais là, Alexander Semin qui redonne les devants. Parfait. 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Oh non, Persernak. Peux-tu intervenir ces starts? Attendez, s'il y a une prolongation, j'interviens. Oh, il y a une prolongation. Ah, là, je vais mettre les écouteurs pour entendre dans le jeu. Ça se peut qu'il y ait du stock qui tombe. Ah. Si vous m'avez dit d'aller voir dans le jeu, puis là je contrôle une équipe, merde. Inquiétez-vous pas, je vais pas contrôler le Canadien, je vais juste les regarder jouer parce que si j'ai contrôle, je vais clencher l'autre bord là. Ça serait où?
Je vois les équipes. Ça aurait été drôle, je me mette Boston. Ah oh non, 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 pourquoi qu'on est de ce côté-là? Moi, je veux l'autre côté. Paramètres audio et visuel. On va changer de caméra. Je sais que aérienne, c'est une bonne. Quand allez, c'est bien une farce. Si on peut même pas changer de bord. Bon, on va regarder ça de ce côté-là. Qu'est-ce que je vous dis? Je peux rien vous dire. Bergeron, mais quoi, il a ouais, Chara là. Bergie, là, c'est du 3 contre 3 les prolongations. Carey Price, pour vrai, faudrait qu'il score là. C'est qui Yemelin? Yemelin, puis Soudan. Si Yemelin se pète une garnotte, là, ça serait drôle. Oh my god, la case m'a rentré. Bon, le Chara qui la passe pas. Il décide de monter, la passe à Bergie. Bergie qui niaise avec la rondelle, qui ça fait pot check par PK Subban. Bergie qui reprend la rondelle à la ligne rouge. On voit le commentateur en moi qui va prendre même une gorgée d'eau parce que j'ai la sèche. Chara à Bergie. Bergie qui niaise avec la rondelle. Et là, Lars Eller en échappé. Eller, que va-t-il faire gauche-droite? Oh, mais il n'y a même pas de faire un glitch goal, calice. Oh, il s'est oublié d'attendre. Oh, qui se fait détruire par Zdeno Chara. Bergie. À la ligne rouge. À la ligne bleue. Tire. L'arrêt de Carey Price. Il est où mon téléphone? Oh, il est dans mes poches aussi, je te plaît. Ok. Bon, Bergie joue encore, il est là, je joue plus le début. Chara, c'est oh ouais, Subban. Oh, calice. Subban, oh ouais, Subban, oh ouais, Subban. Oh, Tori Crew. Oh, que ça fait enlever par. Oh, Pekanek, come on, Pekanek. Ouais, Subban, Markov. André Markov. Pekanek à Markov. Calice, quelqu'un m'a vu dans le groupe. Pekanek à Markov. Ah, si. Oh. C'est passé, ok, fieu. Bon, Plekanec qui niaise à la ligne bleue, rouge. On s'en a mis au jeu, je suis quand même perdu, mais. Et Ryan Spooner qui se fait détruire par notre russe, Alexis Yemelin. Yemelin qui zigzigne avec la rondelle à Gilbert. Oh my god, Plekanec, qu'est-ce que tu viens de faire? Oh, quel arrêt de Tuukka Rask! Tuukka Rask! Parce que moi, je veux qu'on score pour qu'on entende la sirène. Galchenyuk qui a mis au jeu contre Bergie, qui pose pas grand chose. Galchenyuk qui reprend à beau lieu. Oh, et Chucky. Oh non, oh non! Bergie qui l'a pris de la prolongation. What the fuck, ils ont personne dans leur équipe. Là. Oh, il reste genre David Krejci pis c'est bien ça. Hein. Mais là, oh, quel tir bloqué par Gilbert Delorme. Ouais, Galchenyuk. Calice, même Chara, il est là depuis le début. Bergie à Miller à pointe, la passe. Oh, déviation, Chara. Oh, on a perdu. La seule game, j'en regarde, on perd. Bon, oh my god. Ben genre, oh c'est Richie. Oh my god. Oh, la pré-saison est finie. Donc, je vous dis ciao, bye tout le monde. À la prochaine.